Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon Sribon. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoin très puissant. Une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, priez le Seigneur Jésus-Christ à la fin, qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. À bientôt. Merci beaucoup. Témoignage de la sirène Jacqueline et le monde sous-marin. Cette sirène appelée Jacqueline est l'une des femmes de Lucifer. Elle dit souvent qu'elle est la femme de tout le monde, car elle est une impudique. En fait, beaucoup des satanistes sont mariés à elle, mais ils doivent observer des lois strictes qui caractérisent le mariage des hommes avec les sirènes. Elle prend la forme qu'elle veut se manifester. Elle vient souvent physiquement à la surface de la Terre, mais personne ne pourra la suspecter ou l'identifier. Elle fabrique des produits de beauté et de maquillage pour les femmes afin de les envoûter au travers de ce article. La sirène Jacqueline est appelée aussi Milan. Elle est la sirène de la toilette car elle est la sirène qui habite dans les toilettes de chaque maison sur Terre. Quand un sorcier vient vous rendre visite pour la première fois, la première chose qu'il va faire sera d'aller à la toilette pour invoquer cette sirène qui a des informations sur chaque maison et famille sur la Terre. Le sorcier va l'invoquer pour avoir des informations sur vous, le sacrifice humain. Je veux spécifier qu'il y a deux types de sacrifices humains. Dans le premier genre de sacrifice humain, le démon boit le sang de la victime et le corps est envoyé aux industries du royaume Pandémonium pour la transformation. Dans le deuxième type de sacrifice humain, la victime devient esclave dans le monde spirituel, et il est appelé bétail. J'étais un bétail dans le monde spirituel, j'étais un esclave, une propriété privée appartenant à un serviteur de Satan. J'appartenais à des gens qui pouvaient me vendre à qui ils voulaient. Il y a des esprits démoniaques et des agents de Satan qui sont des acheteurs et vendeurs des âmes victimes du sacrifice humain. Ils vendent des âmes humaines qui sont considérées comme des bétails ou des bovins. Et quand ces esclaves, ces bétails ou bovins meurent, leurs corps sont expédiés dans les industries alimentaires du monde de Pandémonium pour subir de transformations. Une fois que ces corps sont transformés, ils seront mis dans des boîtes à conserve et envoyés à la surface de la Terre. Aujourd'hui même, les chrétiens ne prient pas avant de manger. Bien que la Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints », il ne faut pas oublier que la plupart des aliments que nous mangeons aujourd'hui provient du royaume de Lucifer. Le monde de Satan est plein d'esclaves, de bétail ou d'esprits humains fonctionnant comme des démons. Ils causent des accidents, des maladies et destructions à la surface de la Terre. Un jour, j'ai regardé la télévision. À ma grande surprise, j'ai vu un musicien congolais profane, qui fut présenté par un pasteur dans l'église comme étant serviteur de Dieu, malgré le fait qu'il est membre du gouvernement mondial de Lucifer. Cette célébrité a le pouvoir de sacrifier n'importe quel homme de n'importe quelle tribu ou de n'importe quelle nationalité. À chaque fois que ce musicien lance des albums au marché, les gens meurent en grand nombre de par le monde et dans le continent. Ils meurent graduellement de façon différée dans des lieux séparés géographiquement, les uns par la maladie, les autres par les accidents et les circonstances différentes. Chaque fois que vous entendez parler d'un accident dans leur concert, c'est un sacrifice humain, et pendant leur accident, on nous envoyait et nous étions déployés par le monde de l'eau pour étouffer et asphyxier les victimes. Souvenez-vous de ce qui se passa en Côte d'Ivoire pendant leur concert. Laisse-moi vous dire que la plupart des musiciens sont des satanistes, pas seulement des musiciens profanes mais aussi des musiciens chrétiens. Le diable est entré dans la musique chrétienne. Il y a des gens qui chantent le nom de Jésus mais ils ont signé de pacte avec le diable et leur musique envoûte les chrétiens qui l'écoutent. D'où la nécessité de discerner ceux qui sont animés du Saint-Esprit et ceux du diable. Ah, vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud, vraiment chaud. N'en serait pas heureux.